L'info au pluriel de votre région, c'est sur WR Sarthe. Nous sommes aujourd'hui dans le temple de l'Église protestante unie en compagnie d'Agnès Lefranc, le pasteur, la pasteur, comment on dit ? Oh, on peut dire les deux, je crois qu'on utilise les deux. Moi, je préfère dire le pasteur, je trouve que c'est plus simple. Parfois, on utilise pasteur avec un E, c'est pas très, très, très joli, je trouve, donc c'est bien le pasteur. Donc, on avait parlé de votre lieu au moment des journées portes ouvertes. Alors, évidemment, c'est un temple, les journées portes ouvertes, mais elles sont jamais fermées. Alors, dans la théorie, elles sont jamais fermées. C'est un lieu public qui est ouvert à tous ceux qui veulent y rentrer, en particulier à l'occasion des cultes qui ont lieu tous les dimanches à 10h30. Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est quand même souvent fermé parce qu'on n'a pas les moyens d'ouvrir. On aimerait, dans l'avenir, pouvoir le faire davantage, parce que c'est un lieu que les gens voient souvent fermé et qu'ils aimeraient bien pouvoir découvrir davantage. Alors, au moment notamment des journées portes ouvertes, qu'est-ce que vous avez présenté au niveau de ce lieu ? Alors, on avait d'abord proposé un quiz sur le protestantisme, parce qu'on pense que les protestants sont assez peu connus, ici en France de manière générale. Donc, c'était aussi sur le mode un peu humoristique. Il s'agissait un peu de faire découvrir aux gens plus ce qu'est le protestantisme avec des questions. Et puis, il y avait un voyage à gagner, donc c'était, voilà, il y avait quelque chose au bout. Et puis, on avait aussi une petite exposition dans le temple à montrer, une exposition de photos, avec des versets bibliques, mais les photos sont volontairement très ancrées dans notre réalité quotidienne de tous les jours. Il y a des photos qui se passent dans la rue, à l'hôpital, dans le tram, dans un supermarché, au travail. Voilà. La volonté, c'est vraiment de montrer une église qui est ancrée dans notre réalité d'aujourd'hui et en même temps de faire réfléchir avec des versets bibliques qui sont un peu qui décalent un peu la réalité de ce qu'on voit et qui donnent à penser. Voilà. Sur le plan historique, donc ce temple, il a l'air assez récent. Alors, il a été inauguré en 1900, donc il est relativement récent, oui, mais enfin, quand même, il a dépassé déjà le siècle. Et c'est un lieu agréable. Bon, il n'y a pas beaucoup de temples anciens en France, puisque les temples ont été détruits au moment de la révocation de l'édit de Nantes et après, en fait. Donc, on n'a que des temples relativement récents. Bon, celui-là a été construit avec l'effort de toute la communauté, puisque ça appartient à la communauté locale ici. Et il a une contenance d'à peu près 120-150 places, quand on est bien. Voilà. Oui, puis on voit que c'est un lieu très clair, avec une très belle charpente. Voilà, ça c'est une caractéristique qu'on retrouve dans certains temples, cette espèce de coque renversée de bateau en bois qui donne un toit arrondi comme ça, qui donne aussi une acoustique assez intéressante. Et puis sinon, vous avez sans doute remarqué, c'est un lieu très dépouillé, où il n'y a pas grand-chose, pas de statues, pas de représentation quelle qu'elle soit, et pas non plus de Christ sur la croix. Vous avez une croix nue toujours et une grosse Bible ouverte sur la table de communion. Voilà, c'est quelque chose, un lieu qui n'est pas un lieu sacré, c'est pas considéré comme ça. C'est un lieu de rencontre, de réunion, mais qui se veut vraiment ouvert à tous et libre d'accès. Voilà. Et vous avez donc un orgue. On a un orgue très intéressant qui a été construit dans les années 80, donc qui est assez récent, qui a été fait pour ce temple par un facteur d'orgue alsacien, Müller Eisen, qui est un orgue très apprécié des spécialistes, des musiciens. Il y a d'ailleurs des concerts assez régulièrement et on a un partenariat avec le conservatoire. Ils donnent des cours ici au temple, il y a des examens qui ont lieu aussi ici et puis il y a des concerts assez régulièrement en lien avec le conservatoire aussi. Voilà. Et vous m'avez dit aussi qu'il y a eu donc un grand événement cette année. Voilà, on vient de changer de nom. Donc on était avant Église réformée de France. Donc Église réformée de France, c'est la branche calviniste de la réforme, Calvin, voilà. Et on s'appelle maintenant Église protestante unie de France, parce qu'on vient de faire un processus d'union qui a abouti avec les luthériens, donc qui sont assez peu nombreux en France, mais qui représentent quand même une petite marge.
Et maintenant, donc, il n'y a plus qu'une seule église, alors qu'il y avait avant une église plutôt réformée et une église luthérienne. Voilà. D'accord. Et c'est un processus de rapprochement qui est typiquement français ou qui se développe aussi dans les autres pays ? Alors, ce n'est pas typiquement français, ça s'est fait déjà dans d'autres pays. En Allemagne, vous avez une église unie depuis déjà très longtemps, en Belgique aussi, au Canada aussi. Donc, en fait, on est plutôt pas très en avance par rapport à ça. Mais ça faisait longtemps que c'était dans les tablettes. Dans les années 60, déjà, il y avait un projet qui n'a pas pu aboutir. Et puis, il a fallu du temps, parce que finalement, ce n'est pas si facile que ça. Peut-être ce qui a rendu les choses un peu compliquées en France, c'est que c'est un peu disproportionné au niveau du nombre. C'est-à-dire que vous avez environ 35 pasteurs luthériens pour toute la France contre 400 pasteurs réformés. Donc il y avait une grosse disproportion de nombre. Et l'enjeu était vraiment qu'on n'ait pas l'impression que le gros va avaler le petit, mais qu'il y ait respect dans cette union d'église, de chacune des sensibilités, et que chacun se sente respecté, quoi.